On a du courrier, Brody. Oh, très bien. Qu'avons-nous? Facture, facture. Alright, Tonton. Cool, mon poster de Gandalf le Gris est arrivé. Ah. Mais c'est pas du tout Gandalf, ça. Oh, quelle superbe affiche de Mandelieff, Tonton. Mandé quoi? Mandelieff, Tonton. Un des plus grands scientifiques de son temps. Ah, encore un de tes magiciens bizarres. Rien à voir avec de la magie. Suis-moi. Nous autres scientifiques le considérons comme un grand visionnaire. Entre dans la taudie, je te prie. 1869. Nous voici arrivés à l'époque où il classifia les différents éléments alors connus dans son fameux tableau. Ceci est fait d'un alliage d'or et d'argent et d'un autre élément étrange. Bien qu'il n'était pas le premier à proposer un tel classement, c'est son tableau qui fut présenté officiellement à la Société russe de chimie. T'as carrément copié, Mendy. C'était nos tableaux. J'ai pas copié. Je l'ai juste modifié un chouïa. Vraiment très intéressant. Ah! T'es de quel côté, toi? Du sien ou du nôtre? Ceci, grâce à ses critères de classement pertinents et son étonnant pouvoir de prédiction. Cet élément n'existe pas, mais je parie ma barbe qu'il devrait se situer là. Je vais l'appeler Ekasolonium. Merci. Mais nous devons nous attendre à la découverte de nombreux autres éléments. En effet, car à son époque, de nombreux éléments ne sont tout simplement pas encore découverts. Il n'a même pas de bâton magique, ton magicien. Tu comprends donc, Tonton. Le grand pouvoir de Mendeleïev était dans son classement qui reposait sur deux critères principaux. J'ai arraché cette page d'un livre de la bibliothèque. Regarde ça. Les atomes sont classés sur une même ligne grâce à leur masse atomique croissante. Et les atomes ayant des propriétés chimiques semblables sont placés dans une même colonne. On dirait du gruyère. Oui, tout l'intérêt de ces règles ont amené Mendeleïev à proposer un tableau comportant de nombreuses cases vides, prévoyant l'existence d'éléments inconnus à son époque. Notre tableau périodique des éléments modernes est donc le digne héritage de celui de Mendeleïev qui a été comblé et adapté à nos connaissances actuelles, comme le gallium découvert par un Français en 1875 et prédit par Mendeleïev d'après son emplacement dans le tableau sous le nom d'éca-aluminium, ou encore le classement par numéro atomique, l'électronégativité ainsi que le degré d'oxydation. Tout ça est tellement fascinant, n'est-il pas? Tom-tom? Tom-tom? Non. Désolé, Mendy, je te rends mal. Ce film était une production Tom-tom et Brony. Nous avons pris tellement de plaisir à tourner le tableau de Mendeleïev que nous espérons que vous le choisirez pour le prix du World Concours Film Tachimou. Bon sang, Tom-Tom, tu as encore goûté à mes échantillons d'uranium.